Si, si, mon frère. C'est Radio Aligré, ta vie. Old school, new school, présenté par Royales, mon frère. On a un invité surprise, là. Right. Ah. Relax. Non. Relax dans les studios d'Aligré FM. Comment vas-tu, nègre? Yes, ça y est, vas-y, vas-y. Fabien. Eh, vous avez vu comment il est? Dis ou quoi? Relax, ça va ou quoi? Hey, il est recherché, tranquille. Il est venu avec l'unité. Relax en mode ASS, ASSIN. C'est un nouveau personnage. Tu débarques dans ma vie comme ça, Relax. Je te dis ce qui c'est là. Tu veux que je te dise qui c'est, yeah. Tu veux que je te parle. Moi, c'est Vizir Simon. Vizir Simon Royal. Je te l'ai dit, c'est pas une blague. Le pays, tu l'aimes ou tu le quittes. Vizir Simon, c'est un bounty. J'avoue, Vizir Simon, c'est un bounty. Relax, comment vas-tu? Ça va au top et vous? Tranquille. Tout se passe bien. Vous vous connaissez très bien avec, avec ouais. Samuel. On s'est bien, on s'est rencontrés plusieurs c'est fois. C'est bagneux, mon frère. Avec l'homme qu'on appelle Guy Verhepman. Ouais, ouais. Exactement. Vraiment, c'est le grand frelot que j'appelle Brian Muslim, tu vois. Relax, qui est en représentation donc le 13 mai. Exactement. Au Divan du Monde. Monsieur me donne le flambeau. Donc c'est tu peux ça. Nous en parler. Je prends le Divan du Monde le 13 mai. Et je serai là. Donc voilà. Ça fait plaisir quoi. Donc j'ai regardé ce négro faire son divan. Il a balancé un peu de bœuf à tous ses adeptes. J'ai fait ok, je vais balancer les croquettes le 13. Hein. Merci d'ailleurs là t'es en mode sultan. Ouais, récemment il y a Ben Laden qui est mort. Que pense le sultan de la mort de Ben Laden? J'ai plus un respect pour ce côté oriental de ce genre de mec, mais ça reste une histoire américaine, quoi. Que la France ne s'en mêle pas, quoi, sinon ça risque de péter, hein. Hein, Zazuki, fais gaffe, quoi. Tu nous prépares quoi pour le Divan du Monde, là? Il y aura plus de sultans, il y aura plus de... Bah, sultans, y aura plus de alors, il y aura Mochadou, avec un peu de coupé-découpé. Il y aura de la projection, il y aura des bananes. Il y aura un peu de bédo. Bon, non, je rigole, hein. Franchement, c'est pour tous les adeptes de Sir Samuel. S'ils veulent un peu fumer de la bœuf, il n'y a pas de souci. Il y aura des bananes, de la loco, de Colombo. Il y aura un peu de spectacle, une heure de spectacle. Ensuite, il y aura une soirée. Laisse tomber, ça va enchaîner. Couper, découper. Oh, 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 ah, i, ou. Et voilà, tu vois, c'est vrai. Exactement. Oh, oh, aussi, oh, 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 aussi, oh, oh, aussi, ah, oh, i, u, la banane, oh, i, poulet braisé, oh, i, le frac au cher, oh, oh, ben voilà, okay. Moi, je rappe qu'en voyelle, j'adore ça. Le point levé, le point levé, les lèvres séchées, le message a intérêt à passer au Divan du Monde. Yeah. C'est ton premier, ça sera le premier spectacle? Premier spectacle de Williams Diop, ouais, effectivement. Ça va durer combien de temps? Je dirais même, waouh. Ça va durer une heure à peu près, en fait. On va dire, en gros, il y aura une projection d'une heure, ensuite un spectacle d'une heure, et ensuite, oh là là, on s'enjaille. Akima, une question? Oui, moi, j'ai une question très sérieuse. Toi, ouais. t'as le vent en poupe en ce moment? Right. On peut dire ça? Excuse-moi, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. En fait, j'ai lu dans la presse que t'étais le Laurent Gérard du hip-hop. Comment right. tu gères ça? Qu'est-ce que c'est que cette vibe? Oh, je vais te dire un truc, la famille, franchement, je me sens pas personnellement comme le Laurent Gérard. Personnellement, je ne côtoie pas la droite, je suis plus de gauche, la famille. Et voilà, famille. Donc, on va dire que je suis peut-être la dérision du monde urbain de ce moment. Mais non, j'ai jamais côtoyé Paul Le Pouple. Je le connais pas. Tu peux nous parler de ton album, Oui, je suis. Oui, je le suis. C'est une question-réponse, la famille. Okay, ça veut dire, pour une fois, je pense répondre aux questions-réponses. Simplement. Et est-ce que t'as la famille. Est-ce que t'as déjà eu une imitation qui coince? J'ai déjà... Qui coince Quelle est celle que tu fais le moins bien, quoi, entre guillemets? Non, par exemple, je sais pas, peut-être, t'as déjà essayé de faire autre... Enfin, Johnny, Carla Bruni... Charles Aznavour. je crois que B2OBI arrive. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vais mettre la bouteille là. Cristalline. Ok. Franchement, tu vois ce que je pense. Tellement. Ah, ça s'appelle la culture, mon négro. Les gens dorment dehors, les gens tombent bêtement. Pas trop de violence, encore et encore. Et si j'ai pas raison, alors dites-moi que j'ai tort. La vie, je vaux des voix bien plus que de l'or. Ils disent que c'est les blacks, mais foutent le Delbon. Ils disent que c'est les arabes, mais foutent le Delbon. Delbon, mais quel Delbon. Delbon, mais quel Delbon.
Samuel, si t'étais un chanteur de reggae, excepté toi. Ouais, excepté moi, je sais pas, Capleton. Capleton, pourquoi ouais. Capleton? Parce que j'aime bien sa vibe, il est fort et comme beaucoup, il traverse les temps. Ouais. Relax, si t'étais un chanteur de reggae. Samuel. Pas mal. Parce que j'apprécie sa vibe. Ok, ok. Samuel, si t'étais un album de rap, de musique classique, de dancehall, de ce que tu veux. Un album qui t'a vraiment marqué durant ton adolescence. Miss Education de Lauryn Hill. Ah ouais? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Tu peux développer un peu? Ouais. Bah, je trouve qu'il est intemporel, on peut l'écouter quand on n'importe quelle époque. Ouais. Moi, je le remets tous les étés, je crois. À chaque fois, je remets le couvert sur Lauryn Hill, ouais. Relax, si t'étais un album de rap français. Galerie Lafayette. On rappelle que l'album de Samuel Galerie. S'appelle Galerie, devenu yes. Galerie Lafayette par Relax. Yeah. On va finir l'émission avec le freestyle de Samuel. Yeah. Ok, donc balance le son Charlie et on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Un dernier mot. Le peuple, c'est juste un classique, classique. Ok. C'est juste un classique, freestyle. Classique. Yeah. J'étais du bon. Et aïe aïe aïe. Mais plus de son que ça. Ou en tout cas baisse ma voix. Et je veux entendre yo yo yo. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et on veut des choses originales. Avec une histoire à fond et un style. De la passion, de l'intégrité. Voilà comment s'installe un classique official dans les annales. Souvent quand je suis dégoûté, je pose une galette de Capleton. Prophétie le tout premier album quand je vais gagner en sensualité. Je pose une galette de Frankie Paul, provoquant une totale perte de contrôle. Well, alors là je change de vibe, je mets un classique de Fleet Mode Squad ou Busta Rhymes. Est-il nécessaire de citer NTM ou I Am, pilier du rap français incontournable. Humilité et sincérité font que quand ces gars-là parlent, même la plus décaire à l'écaire abaisse son arme. Et ils ont eu raison d'insister, ils en ont converti des balles. Balles, well, then, well, ce que demande le peuple c'est juste un classique. Peu importe le thème, top c'est un... Tu veux du shit et du bon, et pas du plastique. Non, tu ne trouves pas mon son dans tous les trafics. Et les souvenirs ont du bon, critique ou magique. Quand y'a de bonnes vibrations, les briques s'agitent. Oh yo yo, oh, yo, yo. Aïe aïe aïe, maintenant je vois ça, ça. Classique comme une nouvelle paire de Stan Smith. Classique comme le boule de 7-9 en Levis. Classique comme une paire de Burlington. Le couple on est dans une JM Weston. Classique, la qualité on la veut fils. Classique, sans accro et sans artifice. Classique comme les Adidas fantômes. Une paire d'Air Force avec un beau baristone. Et on veut des choses indémodables. Classique comme un voyage à Amsterdam. Classique le manège dans la cité. À midi on s'installe, à minuit on vérifie le capital. Et comme les hommes en bleu veulent tester, ça finit toujours mal. Classique comme l'affaire Bouna et Ziyad. Facile d'en faire des tonnes. Et puis se plante des fusillades. Well then, well. Ce que demande le peuple c'est juste un classique. Peu importe le thème, tant que c'est un classique. Tu veux du shit et du bon et pas du plastique. Non, tu ne trouves pas mon son dans tous les trafics. Et les souvenirs ont du bon, critique ou magique. Quand y'a de bonnes vibrations, les briques s'agitent. Oh yo yo. Lâche trois fois, trois fois. Classique, 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 classique. Ce que demande le peuple, c'est du vrai, c'est de l'authentique. Classique, 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 classique. Tu le mets dans cet état, si t'es d'accord, lève le bras comme un game. Classique, classique, classique. Ce que demande le peuple, c'est du vrai, c'est de l'authentique. Classique, 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 classique. Qui le met dans cet état, c'est l'homme qu'on appelle Will Action. Ce que demande le peuple, c'est juste un classique. Peu importe les thèmes, top, c'est un classique. Tu veux du shit et du bon, et pas du plastique. Non, tu ne trouves pas mon son dans tous les trafics. Et les souvenirs ont du bon, critique ou magique. Quand y'a de bonnes vibrations, les briques s'agitent. Oh yo yo. Aïe aïe aïe, moi je vois ça, ça me rend fada. Fada. Relax, ça va. Ok. On les met bien. Ok, Papette contrôle, c'est Relax et contrôle. Papette contrôle, c'est Relax et contrôle. Ika fin bayo en food and soul. Ika fin bayo en food and soul. Papette contrôle. Ah! Du bruit! Du bruit pour Samuel! Relax, de Galerie Lafayette! Et
C'était Willax et Samuel en freestyle dans Old School, New School. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et je rappelle l'album de Sœur Samuel, Galerie et Willax en présentation. Arrête de parler. On va te planter ton émission encore une fois. On va te la déchirer ton émission. Ça fait deux fois que tu m'invites et tu te la racontes. Tu parles des autres mecs. Samuel, on va te pousser ta culotte. On va l'avaler. On va la recracher. Et on va fumer des bédos dans ta putain de salle. Arrête.